L'armée syrienne a utilisé des armes chimiques. C'est la conclusion d'un rapport d'enquête qui a été remis au secrétaire général des Nations Unies. Le document sera transmis au Conseil de sécurité qui doit en débattre la semaine prochaine. Les investigations qui se sont étendues sur un an portaient sur 9 attaques présumées à l'arme chimique pendant le conflit syrien. Pour 2 d'entre elles, la mission d'enquête a obtenu suffisamment de preuves concernant la présence de substances toxiques. Ainsi, en avril 2014, selon le rapport, un hélicoptère de l'armée syrienne a largué un engin qui a répandu du gaz de chlore sur la localité de Talmenes dans la province d'Idlib. Un grand nombre de civils ont été affectés. Une attaque similaire s'est répétée un an plus tard dans la même province. Par ailleurs, toujours selon la mission d'enquête, du gaz moutarde a été utilisé par le groupe État islamique sur une localité du gouverneur d'Alep.